sérieux, concentration. On rappelle qu'ils accéderaient au match à élimination directe aujourd'hui en cas de victoire, et ce quoi qu'il arrive. Salut à toutes et tous, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour ce match de foot. Mettez-vous à l'aise, vous attendez cette rencontre avec impatience. Eh bien sachez que moi aussi, on va suivre de près le Barça aujourd'hui, hein, car les Blaugrana peuvent valider aujourd'hui même leur billet pour les huitièmes de finale de Champions League. Le FC Barcelone contre le FC Nantes, équipe locale qui va essayer d'aller chercher sa qualification dès aujourd'hui devant son public. S'affiche à l'écran dans les buts. Marc-André Ter Stegen, Memphis Depay sera associé à Ferran Torres en milieu excentré. Puis en attaque, on va retrouver Pierre-Emerick Aubameyang en position numéro 9. La composition du FC Nantes. C'est un 5-2-3 qui a été retenu. Dispositif qu'on pourrait juger un petit peu défensif. Ce match du groupe de Champions League qui débute à l'instant. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Un mauvais passe directement dans les pieds de l'adversaire. Ludovic Blin. Il faut trouver une option disponible. Il y a du monde dans la surface. Et la bonne anticipation sur ce centre. Oh, il a fait le plus dur peut-être. Ter Stegen, attention. L'action qui se poursuit. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Oh, la faute. Ouh, la faute, trop d'engagement sur ce tacle. Ça sent le carton jaune. Ouais, l'arbitre qui sort un carton jaune tôt dans ce match. Une manière également de garder le contrôle, hein, sur cette partie. Pierre-Emerick Aubameyang. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. Ter Stegen qui s'interpose sans problème. Ferran Torres. Pour Aubameyang. Il y a de l'espace sur l'aile pour le Barça. Et l'ouverture du score. Le premier but dans cette partie qui commence très bien. Voilà la contre-attaque qui a amené ce but. Une frappe magnifique à la fin, puissante.
C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Et ce ballon est intercepté. Oh, attention, il met tout le monde dans le vent. Oh, l'arrêt! L'arrêt magnifique! Bonne anticipation sur cette passe. Cyprien. Et c'est finalement pour Jordi Alba. L'arbitre a laissé jouer, avantage pour le Barça. Aubameyang. Ah oui, magnifique, la parade du gardien. Le ballon qui est sorti, la remise en jeu sera pour les Blaugrana. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Qui fait la différence et ça fait 2 buts d'avance maintenant. Alors voilà la spontanéité de cette frappe hein. Sans se poser de questions, paf, c'est parti, splendide. Un 2-0 au tableau d'affichage. Pierre-Emerick Aubameyang. Un arbitre qui siffle une faute, bien sûr, sur cette intervention et qui risque même de sortir un carton parce qu'il y avait action dangereuse derrière. Oh là, heureusement qu'il était là. Moses Simon. Ah, c'est l'équipe locale hein, qui monopolise un petit peu le ballon. Et si la victoire se profile pour cette équipe, c'est parce qu'elle a trouvé la solution pour tester. Oh, il s'est ouvert le chemin du but. Ouais, le ballon au fond, magnifique. On revoit ce raid solitaire. Le ballon qui lui colle au pied. Les appuis sont excellents. C'est vrai que la défense peut paraître un peu passive, mais il n'y a rien à faire hein, face à ce talent. Et bien, il ne leur aura suffi que d'une mi-temps pour plier complètement ce match. Ah, il a bien senti le coup, c'est intercepté. Ce sera une touche après ce tacle. Le centre en retrait. Ah, mauvais dégagement là, attention. Oh, il était temps d'intervenir là. C'est bien donné dans l'espace. Oh, en finesse. Pourquoi pas, c'est au-dessus, juste au-dessus. Fils de paille. Ah, la belle frappe, mais qui manquait d'un petit peu de précision. Semble avoir choisi d'attendre. Attention quand même à ne pas jouer trop bas. Centre à destination de ses partenaires. Ballon récupéré par Sergio Busquets.
Pierre-Emerick Aubameyang. Il y aura une minute seulement, une minute minimum de temps additionnel. Là, c'est récupéré par Jordi Alba. L'arbitre qui siffle à l'instant la fin de cette première période est déjà 3-0. On attend une réaction, peut-être en seconde période, il faut voir. À la seconde période qui démarre, le FC Barcelone qui mène au score pour l'instant. Depay. Pierre-Emerick Aubameyang. Il peut le mettre. Oh, quelle occasion, mais quelle occasion à bout portant. Pourquoi la jouer si forte cette balle? Pas vraiment inquiété, alors il continue. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Pierre-Emerick Aubameyang. De Jong. Ah oui, il peut poursuivre son action. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Ouais, dégager ce ballon. C'était une belle occasion. Le danger est éloigné. Bon, il est l'heure du coup d'envoi de ce match. On suivra également ensemble. Grand rendez-vous. On en a de la chance. Hein. On va pouvoir assister tous ensemble à cette belle rencontre. Oh, mauvaise relance. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Oh, ça peut faire but! Et l'arrêt du gardien. Young. Aubameyang. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Ouais, il est venu le fixer et s'en débarrasser avec ce dribble. Le bon ballon. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Pierre-Emerick Aubameyang. On cherche la faille dans la défense adverse. Le FC Barcelone qui marque. Ah, quelle facilité dans le maniement de ce ballon. Personne n'a pu l'empêcher de marquer. Ça fait 4-0 maintenant, l'addition commence à être lourde. Il intercepte. Attention, il peut centrer là. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre.
Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. Ouais, il a dribblé, magnifique. Oh, la bonne occasion pour Depay. Frappe, oh, ça passe pas loin du tout, mais c'était pas cadré. Adama. Allez, il est passé par-dessus. Ah, il attendait sans doute la passe plus tôt. Ça s'agite hein, sur le banc de touche. Plusieurs changements à venir. Ah, c'est un joueur dur, hein. On l'a vu sur cette récupération. Ouais, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Ludovic Blin. Nicolas Pallois. Oh, quel arrêt, Ter Stegen. Tout le monde l'a voyé dedans. Il va y avoir un changement. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Et le gardien qui s'impose sur ce corner. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. Ludovic Blin. Il poursuit son action personnelle. Allez, il peut y aller tout seul. Oh, magnifique! Quelle reprise! On revoit cette action décisive partie de ce centre. Et après, à cette distance, on imagine bien qu'il n'y a pas grand-chose à faire. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Cette équipe qui s'impose devant son public. Cette équipe a livré un match de qualité, vraiment superbe efficacité devant le but adverse, complètement mérité. On a tout de suite senti qu'il était dans un bon jour et il a joué un grand rôle dans cette victoire. Ah, c'est l'un des joueurs, sinon le joueur qui a tiré l'équipe vers le haut. Il a marqué 2 fois bien sûr. Il a posé énormément de problèmes à l'adversaire. L'un des acteurs très importants de cette victoire. Pierre-Emerick Aubameyang.